Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'Anto vient de rejoindre en direct. Cyver est déjà là, ça me fait extrêmement plaisir. Salut dans le chat, salut Big Matt, salut Chef Puma, salut le Docteur Nintendo, j'espère que vous allez bien. Oh, un nouveau follow de Makuna Matata en direct. Salut à toi Makuna Matata. Makuna Matata. Ces mots signifient Makuna Matata, la vie fantastique. Merci Makuna Matata pour le follow, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que tu vas bien. Alors, on est bien sûr sur Minecraft. Nous sommes bien sûr en RP. Nous sommes bien sûr dans le One World. J'espère que vous allez bien. Et ce soir, je vais convoquer le premier adjoint. Monsieur le premier adjoint, vous allez être convoqué dans le bureau de monsieur le maire. Ça va nickel, Makuna Matata. Ça va nickel, merci beaucoup. En tout cas, je sais pas comment tu as découvert la chaîne. Est-ce que tu as un autre pseudo? Est-ce que tu étais déjà présent sur YouTube? Je ne sais pas, Makuna Matata. À toi de nous dire ça dans le chat, s'il te plaît. Bon, sinon, j'espère que vous allez tous bien. J'ai vu que Cyver est arrivé aussi. Une ponctualité comme rarement vue. Magazine Pro Gamer 2021. Je suis désolé. J'avais bien précisé vers 21h30. Alors, qui est présent dans la map? Cyver Anto. Ensuite, on va envoyer les invites. On va envoyer les invites pour... Voilà, Evanco, Chaps, Docteur Nintendo, on invite. Perturbator, on invite. Coco, on invite. Hop, on va passer bien sûr en... 7 Max Player 12. Comment ça marche 7 Max Player, je crois. Je crois que c'est comme ça. 7 Max Player 12. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis sur la map, mais je reviens dans 5 minutes. Ok, Anto. Tu dois me convoquer. Oui, nous devons discuter, monsieur Docteur Nintendo. Je vous invite dans le bureau de monsieur le maire, monsieur Anto. Et bien sûr, on est sur du RP, donc cela veut dire que je discute avec vous en direct. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez Minecraft et que vous jouez à Minecraft en version Bedrock, vous pouvez nous rejoindre également sur la map. Il suffit tout simplement de follow la chaîne et de nous donner le pseudo ou le gamertag ou l'identifiant Switch. Et vous pouvez nous rejoindre. Monsieur Docteur Nintendo, vous êtes convoqué dans le bureau de monsieur le maire. Devant le tableau d'honneur des donations, un grand merci à tous ceux qui ont fait une donation jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes présents à jamais dans mon cœur. Monsieur le maire vous aime. Ah, monsieur Docteur Nintendo est là, très bien. Monsieur Docteur Nintendo... Monsieur Docteur Nintendo, venez s'il vous plaît. Oh oui, Monsieur Docteur Nintendo, comment allez-vous? Eh bien, et vous? Ça va très bien, Monsieur Docteur Nintendo. Que vaut cette convocation? Bah écoutez, Monsieur le maire, fait un petit bilan de votre intronisation en tant que premier adjoint. Vous êtes bien soyant de vos vêtements, monsieur Docteur Nintendo. Monsieur le maire est ravi. Vous avez autant... Premier adjoint, après. Oui, tout à fait. Vous avez autant la classe que monsieur le maire. Regardez. Ça mérite une photo. Ça mérite une photo. Attendez, je viens à côté de vous. Venez ici. Voilà, une magnifique photo. Reculez, mettez... Voilà, reculez-vous un petit peu. On va faire une photo. Oui, voilà, ici, en dessous. Voilà, très bien. Monsieur le maire vous adoube.
Alors pour vous adouber, je vais vous mettre l'épée. Venez, venez au niveau du carrelage, s'il vous plaît. Adouber mes fesses, monsieur le maire. Comme vous ne respectez pas monsieur le maire, là. Non, je voulais juste que vous adoubiez mes fesses. Ah non, c'est pas comme ça qu'on adoube. Monsieur, avancez jusqu'au niveau... Voilà, jusqu'au niveau de la... Ah, oui. Le point de vue est très étrange. Comme ça, oui, comme ça, très bien. Bon, c'est là très que bien. Vous sortez à conclusion. Comme ça, très bien, très bien. Vous seriez oui. Malomère. Non, alors allons-y. Je m'égare. Veuillez lever la tête, s'il vous plaît, monsieur... Monsieur Docteur Nintendo. Vous êtes loin de moi, c'est bon. Voilà, très bien. Monsieur Docteur Nintendo. Je la laisse actuellement. Très bien. Monsieur le maire, vous adoube avec l'épée. L'épée à gauche de votre tête. Attention. Oh, mais je tombe, bordel de merde. Attention, l'épée à gauche de votre tête. Au-dessus de la tête. Et à droite de votre tête. Vous êtes adoubé, monsieur le premier adjoint. Je saute de joie. Ah, alors, il est temps de discuter, monsieur Docteur Nintendo. Oui, alors attendez, c'est bon. Je suis sur mon... Attendez. C'est bon, je suis sur mon siège. Discuter de quoi, monsieur le maire? Alors, je voulais discuter avec vous... Monsieur Docteur Nintendo, car tout simplement, je suis heureux que vous ayez pris ce poste. Très heureux. Maintenant, il va falloir prouver que vous méritiez votre place. Ah oui, non mais tout à fait, je comprends. C'est juste que... Je n'ai pas pu faire grand-chose niveau temps depuis que je suis nommé. Voilà mais tout. Monsieur Docteur Nintendo, à votre place, on ne fait pas les choses. On ordonne les choses, Monsieur Docteur Nintendo, sachez-le. Ah, mais le premier adjoint se doit quand même faire les choses. Il va falloir que vous recrutiez du monde. Avec ses concitoyens, comme tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Docteur Nintendo. Oui. Je vous annonce qu'il vous reste plus qu'un mois et une semaine à ce poste. Je sais. Et nous ferions un bilan de votre activité pendant votre mandat. D'accord. Et ce bilan-là devra être défendu face aux autres candidats. Parce que les autres candidats auront des promesses, mais vous aurez des actes. Ouais, c'est vrai. Je vous mets la pression, monsieur Docteur Nintendo ? Pas du tout. Ah bah alors ça va, très très bien. Je vis sans pression, vous savez. Quelles sont vos grandes idées, monsieur Docteur Nintendo ? Alors, avant de parler de nouvelles idées, il faudrait déjà conclure les idées des gens en cours. À savoir, déjà, faire ce zoo, qui est un projet à l'arrêt depuis son lancement, finalement. Il faudrait déjà commencer par ça. Vous parlez du zoo, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le zoo est à finir avant tout. Très bien. Alors, il va falloir appeler le maître d'œuvre. Qui est le maître d'œuvre pour ce projet ? Ben, je crois que c'est moi-même. Enfin, c'est pas moi qui en ai décidé. Qui en avait décidé, je ne sais plus. Vous êtes premier adjoint, vous ne savez pas qui est le maître d'œuvre de ce projet ? Après, c'est moi qui avais balisé tout ça et qui avais demandé au projet comment il devait se construire. Vous êtes un piètre premier adjoint, monsieur Docteur Nintendo. Il me semble que c'était Anto, mais je n'en sais pas. Ah, là, vous me faites plaisir. Là, vous êtes à nouveau un très bon premier adjoint. Ça me fait extrêmement plaisir. Pardon, excusez-moi, j'ai dérivé un petit peu. Faites attention, ou je dirais Heine pour non, dire non. Non, non, ça ira, monsieur Docteur Nintendo. On a dérapé. Je comprends le bien. Fromage. Et je m'en excuse. Très bien. Donc, monsieur Docteur Nintendo, je vous somme de convoquer Anto à son arrivée pour discuter du projet du zoo qui doit être commencé ce soir, un tout petit d'accord. peu.
Et par contre, monsieur le maire, j'aurais une suggestion pour vous, Oui. si vous avez un moment du temps, Allez-y. Je... d'agrandir Attendez, attendez, je l'île. réfléchis si je peux vous écouter. D'accord. Non, j'ai plus envie de parler avec vous. D'accord. Non, Alors je je me. plaisantais, je Alors plaisantais. je me casse. Mais Ah, je d'accord. plaisantais, monsieur docteur Nintendo, je plaisantais. Regardez ce. Monsieur le maire, regardez ce mur. Où ça? Où? Quel mur? Le Montrez-moi. mur que je regarde moi là. Oui, tout à Vous fait. voyez? Il paraît plein, mais en réalité, depuis le temps, il est vide. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, il manque des panneaux, vous voulez dire. Ne faudrait-il pas compléter ce mur Oui, tout à fait. à l'occasion? Parce que il y a quand même beaucoup de. De Comment panneaux dire? manquants. De donations. Vous voulez dire, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur docteur Nintendo. Il y a eu beaucoup, depuis le temps, il y a eu beaucoup de donations, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous voulez dire Et. que le tableau d'honneur, ici présent, Oui. le tableau d'honneur Oui. manque de certaines affiches, c'est ça? Ah oui, tout à fait, parce que les panneaux les derniers panneaux datent d'avant la pause qu'on avait fait, et depuis la pause Minecraft. Et depuis ce temps, il y a eu beaucoup de donations, je pense. Très bien, je pense qu'il est temps de convoquer Monsieur Anto au bureau. Oui. Et pour recruter tout le monde qu'il y aura besoin, j'aimerais tout de même me rendre au niveau du palais tout à l'heure. Ah, d'accord, donc vous voulez d'abord... Qu'est-ce que vous voulez faire en gros, Monsieur Docteur Nissan? Vous voulez d'abord convoquer Anto pour discuter du projet et ensuite convoquer tous les Whammers, c'est ça? C'est ça, oui. Très bien, allez-y, faites un message public pour convoquer Monsieur Anto au bureau de Monsieur le maire. À votre bureau ou je vais le voir de moi-même? Non, ici, nous le convoquons, nous sommes des élus, nous recevons les Oui, gens. à moins que j'aille le chercher directement. Vous pouvez l'appeler sur un message, gros message sur l'écran. Alors, attendez. Alors attendez, il va réfléchir de comment il fait ça. Je le fais bien tout de même. Alors, attendez. Oui, tout à fait. Moi, j'aurais déjà terminé, monsieur docteur Nintendo. Oui, mais je veux que ce soit bien fait. Je veux que les choses soient bien faites. Parce que monsieur le maire est en retard, mais vous êtes long, monsieur docteur Nintendo. Non, je suis en retard, comme vous. Je suis en retard de chaque seconde qui passe. Très bien. Est-ce que c'est moi qui suis en retard, docteur Nintendo, ou est-ce que c'est vous, les Whammers, qui êtes en avance? Étant donné que vous aviez dit vers 21h30 et qu'on était plus proche des 22h, je dirais que c'est vous qui êtes en retard, malheureusement. Mon épée! M'avez volé mon épée! Comment ça, je l'ai volé? Attendez, attendez, monsieur le maire. Une Minecraft. épée en Nézérith. Flagrant délit de vol. Ah mais je suis con, j'ai un clavier pour écrire mes commandes. Voilà, attendez, tenez, voilà. Merci bien. J'ai failli dire que vous étiez un voleur. Hein. Alors, je suis un. Non, je vais éviter de dire ce mot. Bon, il est tellement lent que je vais le faire moi-même. Mais le message est envoyé, monsieur le maire. Ah, je n'ai pas vu. Mais je l'ai envoyé à notre cher Anthony. Ah, je pensais que c'était un message Non, officiel. regardez, il est là. Regardez. Ah, Il est dehors. il est ici. Monsieur Anto. Oh. Monsieur le maire, est-ce que les skins marchent? Oui, les skins fonctionnent, vous êtes beau comme un camion. Je voulais vous demander, monsieur le maire, Attendez, pour. j'ai plus envie de parler avec vous pour le moment. Vous êtes méchant, monsieur le maire. Je vous reprendrai après la discussion avec Monsieur Anto. J'ai assez. Venez, Monsieur Anto, attendez, excusez-moi. Est-ce que vous voulez le prendre à partie ou. Alors, venez, rentrez. Alors attendez.
Salon MHR, monsieur Anto, s'il vous plaît. Salon MHR. Vous êtes demandé dans le salon MHR. Alors, on va attendre que monsieur Anto... Oui. Ah, monsieur Anto est là. Bonjour, monsieur Anto, comment vous allez? Bonjour. Bonjour. Très bien, et vous? Ça me fait plaisir de vous voir ici, monsieur Anto. Je suis là. Ah, il est ici. Écoutez, j'ai cru entendre parler de moi, donc du coup, voilà, j'ai anticipé. Très bien, on vous a envoyé un courrier recommandé, monsieur Anto. Alors, monsieur... Ah, docteur... Je n'ai pas fait attention. Vous êtes... Je n'en doute. Vous êtes convoqué par Monsieur Docteur Nintendo qui va prendre la place du bureau, le siège de Monsieur le maire, et vous allez discuter avec lui. Ça s'appelle une construction chez les autres, ça, Monsieur Docteur Nintendo? Non, c'est pas une construction. Oui. Ça me servira de siège, voyez-vous. Alors allons-y. Monsieur Docteur Nintendo, je vous laisse la parole. Monsieur le maire s'assied sur le côté. Oui. Déjà, bonjour, pour commencer. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Mieux mettre quoi? Très bien, et vous? Magnifiquement bien, je dirais. Est-ce que c'était bien vous qui avez commandé le projet du zoo? C'est exact, on avait commencé à... On s'était même mis à plusieurs, on avait déblayé vers le palais de mémoire. Oui, c'était derrière le palais, même derrière les rails. Exactement, oui. Derrière le lac, encore plus précisément. Juste derrière le lac. Nous avions même délimité le terrain et commencé... Délimité les contours, exactement. Voilà, et commencé à enlever un peu de couches pour pouvoir le bâtir. Ce projet, étant donné qu'il date quand même de très longtemps, et qu'il a été mis de côté dès le moment où on l'a lancé, je trouve qu'il serait bien d'en reprendre la construction. Eh ben, ça tombe bien, parce que Siver me demandait qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui. Donc, je pense que c'est le moment. D'accord, ben justement, ça rejoint mon deuxième dire. Tout à l'heure... On va dire dans une petite quinzaine de minutes, je dirais. J'aimerais convoquer tous les Whammers au palais, même à l'arrière. Quelqu'un nous observe, à ce que je vois. Mais je suis là, je supervise non, l'entretien. Non, une autre personne. Vous n'en pas, monsieur le maire, une autre personne. Mais tout de même, vous m'avez déjà oublié. Regardez par la fenêtre, monsieur le maire. Ah, pardon. Oh, il y a la reine des neiges qui est là. Je sais que je suis beau, mais bon. Elle me fait peur. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de dévorer le bois de la mairie. Qu'est-ce qu'elle fait? Très bien. Alors, je vous arrête tout de suite, monsieur docteur Nintendo. Un quart d'heure, c'est trop long. Hein. Ça va être tout de suite, hein, la convocation de tous les Whammers. Juste le temps, laissez-moi aller, 5 minutes. Après. Mais 5 minutes, pourquoi faire? Juste pour me préparer. Mais qu'est préparer? Il suffit juste de parler, c'est tout. Justement, il faut préparer ce que je vais dire. La dernière fois, je n'avais pas eu le temps de préparer mon discours. Mais il n'y a pas de discours, là. Oh là là. C'est pour ça qu'il était pourri. Je veux que le premier adjoint... Je suis monsieur le maire, docteur Nintendo. Monsieur le premier adjoint, je vous demande d'avoir plus d'initiatives et plus rapidement. S'il vous plaît. Mais merci. Laissez-moi juste 5 minutes. Mais 5 minutes, nous ne pouvons pas vous donner 5 minutes. Le Wi-Fi du One World s'arrête dans 1 heure et 40 minutes. Nous n'avons pas le temps. Juste 5 minutes, le temps d'aller pisser. Ah, très bien. Si c'est pour aller faire pipi, oui. Me préparer, c'est un mot pour ne pas dire les choses, monsieur le maire. Très bien. Fais-le. Oui, pas de problème. Je vais continuer ce que je disais. Oui, continuez. Convoquer l'entièreté des moineurs au palais
Donc, nous nous mettrons à la même place que la dernière fois. Et, comment dire ? Et, merde, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et les Whammer en bas. Il est et, perdu. Et chacun donnera son oui ou non à sa volonté de nous aider à la construction du zoo. Ce sera à l'initiative de chacun. C'est une excellente idée, parce que je pense que, vu l'ampleur du projet, on sera pas trop d'avoir un bon coup de main de la part des autres, s'ils le veulent, évidemment. Voilà, c'est ça. C'est... Et puis, on a, vu qu'on a 10 idées différentes, il y aura des projections différentes, ça peut être intéressant. Mmh. Ouais, j'aime bien, oui. Voilà. Eh ben, parfait, alors. Tyler, ah, je vois qu'il fait des... qu'il construit en grosses pièces. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais... Ah, il peut être déjà au zoo. Peut-être, ou... Après, Monsieur Anto, vous vous souvenez, oui. Il y a longtemps, vous aviez parlé d'un parc d'attraction avec Cyber. Oui. Ouh là là, je vous arrête tout de suite. Nous parlerons d'un parc d'attraction quand le zoo sera terminé. Ah, je voulais demander si le projet était juste encore en... Il sera voté au conseil municipal. Le projet est encore en mémoire, mais on n'avait pas encore... Il n'a pas été voté au conseil municipal, hein, voilà. Messieurs. Je suis là pour remettre les choses dans l'ordre. Merci bien. On avait dit qu'on avait beaucoup de projets, qu'il fallait d'abord que c'était stoppé. C'est pour ça qu'on n'avait pas tout terminé. Un projet après l'autre. C'est juste pour savoir. Il n'y a pas de souci. Bien. Eh ben, je pense que tout est dit. Alors, très bien. Je vais juste me préparer. Pendant ce temps, vous avez le temps d'aller au palais. Très bien. Je mets un chronomètre à 5 minutes, monsieur Docteur Nintendo, et vous en aurez pas une de plus. Il est 22h20. À 25, je veux une convocation de tous les Whammer au palais. Je vous remercie, monsieur Docteur Nintendo. De rien. Monsieur Anto, comment allez-vous ? Je vais vous raccompagner, et monsieur Anto. Merci beaucoup. Je vous raccompagne. Très bien. Qu'est-ce que vous avez comme projet en tête, monsieur docteur, monsieur Anto ? Alors, pour le zoo, je dois avouer, j'aimerais bien aménager pas mal de choses pour l'espace des animaux, justement, pour faire quelque chose d'assez impressionniste. Alors après, il faudra voir selon la taille, hein, mais... Très bien. Ça peut être intéressant à voir. Dirigeons-nous. Il faut pas que ça obstrue non plus. Ben, comme vous êtes le maître d'œuvre du zoo, dirigeons-nous vers le zoo, monsieur Anto, pardon. Alors, il faut juste que je me souvienne, c'est par là-bas, oui. J'ai perdu monsieur Anto déjà en 2 secondes. Ah si, il est là, c'est bon, je l'ai trouvé, je vous ai trouvé. Je vous ai trouvé, monsieur Anto, venez avec moi. On va peut-être penser à mettre des tyroliennes à la Death Stranding, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas. Alors. Très bonne vidéo au passage sur la Director's Cut. Oui, monsieur le maire prend plaisir à se balader dans ce monde, ma foi, très, très accueillant. Et par contre, je n'ai pas tout dit. Et je pense que j'en reparlerai lorsque j'aurai reterminé le jeu, je pense. Parce que ça en vaut la peine et j'ai envie de voir les features. Parce que pour le moment, je n'ai vu aucune features en plus, mis à part celles qui sont techniques. Et puis en plus, c'est pas mal plus assisté que la version de base, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Oui, tout à fait. Pour faciliter, il y a de nouvelles, il y a de nouveaux objets à utiliser que je n'ai pas eu encore la chance d'utiliser. Donc, je suis en attente. C'est vraiment des premières impressions en fait, qui sont plutôt bonnes, même si ce jeu s'est fait lyncher. Je pense que il mérite le coup d'être fait. Trop différent, mais différent, mais qui fait du bien. Alors, parce faut faire que, le. Je préfère avoir ça qu'avoir un jeu qu'on a déjà vu 36 fois. Tout à fait, et ça me fait extrêmement plaisir. Oh, Monsieur Event est là. Attendez. Bonjour, Monsieur Event.
Bonsoir. Bonsoir, oh. mais que vous êtes mignonne avec votre coupe de cheveux à la kawaii. Bah là, j'ai débronzé d'ailleurs. Ah, il a débronzé. Vous avez perdu votre bronzage ou vous avez débronzé? Oh, ben, un peu des deux. Un peu des deux, très bien. Parce que il y a une semaine qui s'est écoulée, il faisait que de la pluie chez moi, j'en fais plus. D'accord. J'ai fait une nouvelle coupe. Très bien. Alors, nous allons vers le zoo, monsieur Event. Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Pourquoi pas. Très bien. Est-ce que vous voulez travailler un petit peu? C'est-à-dire faire du terraforming, monsieur? J'ai déjà exploité la dernière fois que j'étais venu, mais pas après la bague. Pas il a la compris. Avant. Je pense que nous allons faire un appel à l'aide ce soir, je pense. Nous allons au zoo pour faire un travail visuel sur les travaux qui pourraient être effectués. Je vois que monsieur Cyver travaille comme un acharné. Hein. Mais monsieur, oh là là, je pense même qu'il faut abandonner tout de suite la visite du zoo et retrouver monsieur Cyver. Monsieur Anto, vous qui êtes assistant de la police municipale du Wamworld, allons voir monsieur Cyver, puisqu'il n'a pas déposé de permis de construire pour tous ces blocs que je vois s'afficher. Allons le voir. Oui, allons voir dans quel but ces blocs sont placés. Ah ben oui, j'ai vu 1250 blocs comme ça là apparaître. Je me suis dit, c'est pas normal. Monsieur Anto, va falloir faire régner l'ordre. Effectivement, l'absence du chef Jackson, je dois prendre de... Tout à fait, tout à fait. Vous avez récupéré son rôle. Hein. Adjoint au chef. Juste la carte, hein. Monsieur le maire. Oui, voilà. Oui, je vous écoute. Prenez-vous un petit peu de nourriture, car je ne peux courir. Alors, malheureusement, je n'ai rien sur moi. Ah! Est-ce que monsieur Anto en aurait? De la nourriture, oui, je vais vous en donner. Merci. Attendez, je vais faire juste cette petite carte. Mais pourquoi ça m'affiche la moitié des trucs? Ah oui, des patates. Ah, des pommes de terre. Tenez, des steaks aussi. Je vous ai donné un steak. Avec les frites, ça passera bien. Je suis gâté. Merci. Très bien. Où est-ce qu'elle est cette carte? Là, il y a du papier, mais bon, on en fout du papier. Mais on n'a pas le discours, monsieur là. C'est dans 10... C'est dans 5 minutes. C'est dans... Oui, c'est l'heure, là. Mais Dr. Nintendo, il a disparu. Bah, Dr. Nintendo et Puma, ils étaient dans la salle de théâtre. D'accord, très bien. Alors, on va aller voir Monsieur Cyber et ensuite, nous convoquerons le premier adjoint. C'est le monde à l'envers. Au lieu que ce soit le premier adjoint qui convoque les Whammers, c'est les Whammers qui convoqueront le premier adjoint. C'est inadmissible. Rebellion ! Encore une faute grave de la part de l'élu de la collectivité territoriale. Ah, moi, je pense qu'il devrait avoir un remplaçant. Alors, le problème, c'est que ma carte, il n'y a plus rien affiché, je vois plus les curseurs. Où est monsieur Cyver? Créer une carte? Non, c'est quoi ça? Je vois. J'allais lui demander, monsieur le maire. Alors, monsieur Docteur Nintendo arrive au palais, très bien. Monsieur le maire, je vais appeler Cyver pour demander où il est. Oui, bon, ben, je pense qu'on va le convoquer. On va convoquer tout le monde. Monsieur Docteur Nintendo, pouvez-vous convoquer tout le monde sur un message du chat, tous au palais, s'il vous plaît. Tous au palais, s'il vous plaît. Pourquoi je peux plus ? Voilà. Allez, bon. Allons-y. Il y a un délire avec ma carte, là. Oh, oh. Monsieur Baptiste, attendez, monsieur Boba Fett est là. Monsieur Boba Fett, comment allez-vous? Bonsoir, ça va et vous? Ça va très bien, monsieur Boba Fett. C'est un plaisir de vous voir, étant fan de Wars Stars et de The Lorian Manda. Je fais ça pour les droits d'auteur. Ça me fait plaisir. Je comprends, Wars Star. Moi qui est fan de Wars Stars...
C'est toujours un plaisir de vous voir, monsieur Boba Fett. War Star est un très bon film, d'ailleurs. Oui, votre plaisir est partagé. Tout à fait. Merci bien. Est-ce que vous venez au palais avec nous, monsieur Boba Fett? Si tout le monde est convoqué, je n'y vois pas d'inconvénient. Très bien, venez, parce que le premier adjoint nous attend. En plus, avec ce costume, vous pourrez faire un rôle de policier municipal, monsieur Baptiste, je tiens à vous le dire. J'aurais pu se demander pour un rôle de chasseur de primes, si c'est possible. Ah mais... oui, c'est vrai, c'est tout à fait... Comme ça, Monsieur Baptiste, vu qu'on est tout seul là, il n'y a plus personne... Attendez, je vous parle. Attendez, je vous parle un instant. Je voulais savoir, si je vous donne de l'argent, est-ce que vous serez prêt à assassiner une personne? Ça dépend qui est cette personne. Ça dépend. Attendez. Il y a un fantôme qui nous emmerde. Nous reprendrons cette discussion plus tard, si vous voulez, monsieur Boba Fett. Mais j'ai votre semi-accord. Déjà, pour commencer, pour sceller notre pacte, est-ce que vous pouvez buter ce Skeletor qui est là-bas parce qu'il me casse la tête? Est-ce qu'il... Afin d'évaluer vos compétences. Ah. Ouh, je trouve que vous avez de très bonnes compétences, monsieur Boba Fett. Vous m'avez sauvé la vie. Donc, si je comprends bien, monsieur Boba Fett, ça dépend de qui, en fait. Bah, par exemple, si c'est Anto, je tiens à lui, donc oui, j'aimerais bien le buter. Alors, attendez, vous l'aimez bien, donc vous voulez le buter, j'ai du mal à comprendre. Alors, c'est ironique, mais bien sûr que non, au final, Anthony, je pense pas que je pourrais... D'accord, mais est-ce que vous serez capable d'assassiner un Whammer gratuit? Gratuit, ça je ne fais pas, non. Non, pas gratuit, d'accord. Est-ce que vous serez capable d'assassiner un Whammer pour le plaisir? Pour le plaisir, c'est-à-dire Comme ça, pour le plaisir. Pour le plaisir de tuer. Je ne prends pas plaisir à tuer ou à capturer, je le fais uniquement pour... Pour l'argent, très bien. C'est respectable pour un chasseur de primes, très bien. Est-ce que vous pourrez me faire une liste des personnes que vous ne pouvez pas tuer? Comme ça, après, je pourrais choisir quelqu'un. Je pourrais faire ça. Très bien, parfait. Attendez, il y a un fantôme derrière vous. Oh, putain. Pas réussi à l'avoir. Bon, écoutez, monsieur Boba Fett, je suis ravi de cette conversation, nous la reprendrons plus tard. De même. Allons au palais et allons voir la discussion. Ah oui, il faut aller au palais. On a monsieur le premier adjoint qui nous appelle. Et si... Attendez, on est tout seul. Et si jamais c'était le premier adjoint, vous serez capable d'accepter ou pas? Je crois l'avoir vu en action et je crois qu'il a certains pouvoirs que je n'ai pas. D'accord, donc il est plus fort que vous, en fait. Je pourrais, mais... Il y a un risque, c'est ça? Est-ce que c'est l'adjoint qui fait apparaître des éclairs ou... Oui, voilà, c'est lui. C'est lui, parce que c'est très embêtant, ces éclairs, à chaque fois. J'ai pas prévu de combattre Thor, mais pourquoi pas. D'accord, ça peut être possible. Vous pouvez essayer, enfin, c'est ça. Je peux essayer. D'accord, très bien. Nous reparlerons de ça beaucoup plus tard, monsieur Baptiste. Mais d'accord. N'oubliez pas cette conversation et cela reste entre nous. D'accord? Je ne l'oublierai pas. Très bien, merci beaucoup, monsieur Boba Fett. Vous êtes un professionnel. Merde, on ne peut pas passer par là. Si, il y a une porte, non? Je ne sais pas, j'ai pas vu. Ah si, il y avait une porte, pardon. Alors, direction le palais... Petit problème de lien, le Discord ne fonctionne pas. Si, il fonctionne le Discord. Sachez, monsieur Boba Fett, que vous n'avez pas coupé votre téléphone micro dans la langue PlayStation et que j'entends vos réponses. C'était un message d'Anto. Très bien. Ah, bah oui. Et du coup, je peux tout de suite aller paf. Voilà. Ah, oh là là. C'est une langue étrangère que nous connaissons tous.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, bah, je vois qu'il y a, tout, ah. il y a tout le monde ici. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Alors, ils sont où? Est-ce que vous savez où est tout le monde? Alors, docteur... Kuma n'a pas mis son de... Je crois qu'il n'a pas mis de son. Du coup, il nous entend pas. Mais parce qu'il n'est pas visible, donc il ne parle pas. Alors, ils doivent être à la table ronde, j'imagine, non? Mais ils sont où? La table rectangulaire. Oui, la table carrée. Ils sont... Mais il a pas dit l'endroit, le premier adjoint, est vraiment... S'il avait dit, je crois, au même endroit que la dernière fois, alors est-ce qu'il parlait d'ici ou est-ce qu'il parlait de... Là où il y avait les feux d'artifice, où on avait mis des chaises pour l'occasion. Ah, alors... là où il y a les... Alors, je suis... Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de docteur Nintendo. Ouais. Je ne sais pas, donc c'est soit là, soit à la table. Donc mais, ce n'est pas là, ce n'est pas... En tout cas, il y a le golem avec son gros pif qui est là. Bon, écoutez... Eh oh, tu critiques pas nos nez, hein. On va se rejoindre à la table carrée. Très bien. Très bien, nous sommes à la table... Nous allons aller à la table carrée et on va convoquer monsieur... Oh là là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Attention, attention. Nous nous adressons présentement à toute la population du Wamworld après avoir pris possession des haut-parleurs de la ville. Nous ne vous voulons aucun mal. Ou du moins, si vous écoutez bien ce que nous vous demandons. Nous voulons que, dans très exactement 10 minutes, pas une minute avant, une minute après, votre très chère mère adorée soit devant l'entrée du théâtre, complètement seule, sans aucun accompagnant. Nous préférons vous prévenir que nous tenons aussi une personne en otage. C'est pourquoi vous devriez vraiment nous écouter. De même, nous ne nous présenterons pas. Vous ne saurez absolument pas qui nous sommes. Mais souvenez-vous juste d'un nom. Zola. Merci. Très bien. Messieurs, je convoque un conseil spécial pour... Est-ce que je... Pour anéantir ces envahisseurs. Adresser un mot à cette personne. Oui, vous pouvez, monsieur Anto. Donc, sachez que vous êtes peut-être doué en message flippant, mais vous avez des micros en carton, donc il va falloir peut-être améliorer ça, quand même. Hein. Écoutez... Ça fait pas très peur. Hein. Bon. Anto, président. Alors, j'ai une vraie question. Étant donné que vous deviez y aller seul, est-ce qu'on ne vous laisserait pas avec des snipers quand même cachés? Oui, tout à fait. Je pense qu'il est temps de... à l'étage. Alors, écoutez-moi, s'il vous plaît, messieurs. Écoutez-moi. Je pense que nous allons créer déjà le premier conseil de guerre. S'il vous plaît, monsieur Event, je parle. Je parle, monsieur Event, s'il vous plaît. Oui, mais je suis en train de parler, donc je vous donnerai la parole, monsieur Event. Messieurs, l'heure est grave. Nous allons créer le premier conseil de guerre et partir en guerre face à ces inconnus qui cherchent la guerre. Jamais on dit ça à l'attaque de la guerre, les gars. Le problème, c'est que j'ai tout compris du message. Mais l'endroit où je dois aller seul, j'ai pas entendu. Ici, devant le théâtre. La salle de théâtre. Devant le théâtre, c'est ça? Je dois aller dans la salle de théâtre tout seul. Vous avez retenu aussi la fin? Très bien. Et la fin, ça disait quoi, messieurs? Il faut pas oublier le nom Zola. Il faut pas oublier le nom Zola, c'est ça? Émile Zola, Zola le rappeur, à l'aide. Très bien. Là, c'est compliqué, ouais. Je pense que ça doit être Émile Zola. Je pense que c'est Émile Zola aussi, monsieur Event. Écoutez bien, messieurs. Qui est avec moi pour cette affaire? Moi, j'en suis. Si vous êtes avec moi, avancez-vous sur la carte. Ceux qui ne sont pas avec moi, vous pouvez quitter les lieux. Très bien. Vous êtes tous avec moi, messieurs. Vous êtes avec moi et ça me fait chaud au cœur. Nous allons nous défendre de l'envahisseur parce que le Wamworld mérite la justice et la loi. Donc, qui a un plan d'attaque? Monsieur Boba Fett, maître de guerre, je vais vous demander une tactique
pour le point de rendez-vous. Avez-vous une idée ? On peut vous laisser passer et éventuellement vous couvrir, mais tout en restant discret. Alors moi le problème c'est que il peut pas y aller avec des gens. Il est obligé de y aller seul. D'accord. Moi, discret, c'est que personne nous verra. Écoutez, dans 10 minutes, plus que 6 minutes pour trouver. Moi j'ai un plan. Attendez. Surtout qu'un certain Anthony. Comment contrer le fait de venir seul. Si vous allez vous quatre au théâtre avant moi. Donc à peu près sur 400 mètres d'avance, forcément, je vais venir au théâtre seul. Vous avez compris. Selon moi, l'individu est déjà au théâtre, donc il nous verra arriver. Mais il faut qu'on se cache dans les bâtiments. Il a dit avant, que je dois venir. Il a dit que je dois venir seul. Donc vous y allez avant moi. Vous allez dans les tribunes pour écouter ce qui se passe. Et ensuite, j'arrive juste derrière. Je veux que Monsieur Boba Fett, Monsieur Saver, Monsieur Anto et Monsieur Event aient des arbalètes chargées. Monsieur Anto, pouvez-vous fournir des arbalètes? Et Monsieur Saver, en tant que créateur, pouvez-vous fournir des arbalètes? Mais vous en avez tous. Vous monsieur, êtes la garde rapprochée de Monsieur le maire. Pas de sachez juste que je suis disponible pour cette... cet événement, mais je dois d'abord aller à un endroit. Voilà. Très bien, je garde le nom. Monsieur Anto. À un endroit pas très glamour. Très voilà. Bien. Monsieur Anto, je vais vous répondre très clairement. Quand faut y aller, faut y aller. Donc, exactement. Donc, nous partirons une fois que vous êtes prêts et les envahisseurs attendront. Écoutez, je vais libérer la top qui est au bord du guichet et je reviens. Très bien. Allons-y. Est-ce que vous êtes tous armés et assermentés? Monsieur le maire? Oui. J'ai deux choses à vous demander. Oui, est-ce que c'est un lien avec l'attaque des envahisseurs? Oui. Oui, alors je vous écoute, monsieur Event. Tout d'abord, est-ce que nous pouvons tenter de négocier avec les adversaires? Oui, pour l'instant, c'est pas ce qu'ils nous veulent. Oui, mais par exemple, si nous demandons... qu'est-ce qu'ils veulent? Si on réussit à savoir qu'est-ce qu'ils veulent et que nous pouvons réussir à négocier pour que quelqu'un vienne avec nous. Par exemple, s'ils veulent de l'argent, nous pouvons, par exemple, leur donner plus de ce qu'ils veulent, mais en échange, nous pouvons faire venir quelqu'un avec nous. C'est pas dans nos intérêts. En gros, ils gagnent quoi, parce qu'ils auront plus que, ce qu'ils voulaient. Oui, oui, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est pas prudent. Mieux vaut les laisser faire et voir ce qu'il y a ensuite. Et moi, on pourrait... Ils ne pourront jamais tuer le maire. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes quatre gardes du corps surentraînés. Non. Jamais ils ne nous vaincront. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, s'ils le tuent, je vois tantôt. Ah oui, aussi, je trouve ça, ma foi, très bizarre qu'on a eu une grosse alarme et que notre adjoint ne soit absolument pas là. Je pense qu'il est un otage. Oui, je pense que c'est Chef Puma l'otage. Je pense. Selon moi, ça c'est l'inverse. Messieurs... Bah, il arrive à invoquer les éclairs. Oui, tout à fait. Et ça, ça c'est fait peur. Sorcier. Bon, je pense, messieurs, que nous sommes à l'aube d'un putsch. Est-ce que vous savez ce que c'est un putsch? Non, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très rigolo. C'est un gâteau, mais... Non, cappuccino. Un putsch, c'est un coup d'état, messieurs. Donc, si vous croyez en votre mère, je pense que c'est le moment de créer un nouvel avenir pour le One World selon le résultat de ce coup d'état. Si nous vainquons, je nommerai des nouvelles places au gouvernement. Et vous en ferez partie. Hey. Messieurs, il nous reste plus qu'à attendre Monsieur Anto. Est-ce qu'on commencerait pas à envoyer quelqu'un en éclaireur? On peut commencer à y aller. Je téléporterai Anto quand il sera prêt. Merci. Monsieur le maire. Oui, je vous écoute. Vu que je suis petit,
je peux m'infiltrer dans les endroits et tout. Je me propose en étant le premier à y aller. Oui, tout à fait. Vous pouvez commencer, Silver. Puis-je le suivre en tant que ninja, maître à l'étage? Oui, tout à fait. Deux partent en tête. Allez-y. Et vous nous rendez compte. Essayez de pénétrer dans le théâtre. Moi, quoi qu'il arrive, je vais... Prenez ça, Evans. Je vais devoir... J'ai trouvé des... Des potions. Prenez des potions. Ouais. Messieurs, on est déjà en retard. Tenez. Ça pour vous, et on y va. Ce nectar m'a l'air très délicieux. Tel le Hobbit et le Boba Fett. Vous êtes prêts ? Let's go. Allez-y, ça y est. Nous voyons vos ailes. Oui, j'ai enlevé. Parfait. C'est parfait. On les voit partir, là. Ça y est, ils sont partis. Est-ce que vous pensez, monsieur Boba Fett, que monsieur Anto en est à son deuxième cigare ? Où êtes-vous ? Je vous ai perdu. Je me dirige vers le théâtre. Je suis devant la mairie. Je suis perdu. Attendez, regardons. Devant la mairie. Devant la mairie. C'est quand même très plat tout ça. J'avais dit 2h44. Oh là là, oh là là. L'envahisseur nous a contactés. Je précise tout de même que nous avons complètement accès à tout le théâtre. Et j'ai un otage bien évidemment avec moi. Ce serait une très mauvaise idée d'emmener plusieurs personnes en même temps. Tout en sachant que nous n'allons faire aucun mal à monsieur le maire, nous voulons juste discuter. Très bien. Par contre, monsieur l'envahisseur, est-ce que vous êtes au téléphone avec moi, monsieur l'envahisseur ? Oui. Alors, monsieur l'envahisseur, vous nous avez dit que je peux venir seul. Je viendrai seul. Tu dois venir seul. Déjà, monsieur l'envahisseur, vous me vous voyez, je suis maire du Wormworld. Je suis maire du Wormworld, vous me vous voyez, monsieur l'envahisseur, s'il vous plaît. En tout cas, vous êtes en retard. Je suis en retard parce que je le vois bien. Maintenant, je vous explique. Si je vois une personne intégrer le théâtre, si ce n'est pas vous, je tuerai l'otage. Très bien. On est déjà en retard, monsieur Boba Fett. Venez, monsieur Anto nous rejoindra. Vous allez rester en sûreté, en garde arrière, à 100 mètres derrière moi. Vous ne rentrez pas dans le... On reste en connexion par oreillette. Comme ça, vous pouvez entendre ce qui se passe dans la salle. Monsieur le maire. Je suis positionné. Est-ce que je rentre dans le non, théâtre ? Non, ne rentrez pas. Nous avons eu un deuxième message. Je m'en sens, il faudrait venir. Très bien. Je vais vous poster, messieurs. Event, où êtes-vous ? Je vais vous poster. Observez votre postérieur, c'était magnifique. Très bien. Event, pouvez-vous vous mettre au-dessus du tunnel, si possible ? Je suis perdu. Oui. Où êtes-vous ? Postez-vous, messieurs, postez-vous. Vous n'êtes pas au théâtre ? Monsieur le maire ? Pouvez-vous faire de la magie jusqu'à ce que je rejoigne Non, je n'ai pas de magie. Monsieur le maire n'est pas un magicien. Monsieur Event, on est en communication par oreillette. Veuillez ne pas faire de la friture dans les communications, s'il vous plaît. Merci bien. Restez posté et attendez les consignes, s'il vous plaît. Alors, monsieur Anto, monsieur Baptiste, vous qui êtes avec moi à côté... Vous allez trouver un positionnement. Je rentrerai seul finalement, puisque monsieur Anto, nous avons eu un message de l'envahisseur. Et il m'a clairement dit de venir seul. Et si quelqu'un d'autre rentre dans le théâtre, il sera donc la personne kidnappée. C'est un peu la mise à mort du. Sera de l'otage. Oui, tout à fait. Elle sera assassinée. Très bien. Mais allons-y. Alors, je vais vous demander de trouver un endroit aux alentours du théâtre. Nous restons en communication par oreillette. Vous entendrez tout ce qui se passe à l'intérieur. Je suis posé sur la tour. Si vous voulez, messieurs, voir les images de la vidéosurveillance, ça se passe sur Jeu de Wham Twitch. Oui. Où êtes-vous, Très bien. Attendez. Essayez de trouver des solutions. Postez-vous en hauteur. Au niveau du dragon top, vous pouvez vous mettre. Et sinon, au niveau du dragon, personne ne rentre. Oui. Je veux que monsieur Boba Fett reste juste devant la porte. D'accord.
Je vois que vous m'avez bien écouté. Vous êtes bien sûr, vous êtes bien interdit. Bon, rentrez pas tout de suite. Je ne rentre pas tout de suite, mais je fais un peu ce que je veux avec mes cheveux. Il y a un mur, de toute façon. Donc déjà, monsieur l'envahisseur, avec votre voix d'envahisseur, je fais un peu ce que je veux avec mes cheveux. Moi aussi, je peux faire ce que je veux. Tout à fait, tout à fait. C'est dans votre droit, c'est dans votre droit. Cache-toi dans le camion. Mais non, donc c'est vous qui êtes en retard, c'est pas moi, monsieur l'envahisseur. Je vous attends depuis... comme 4 minutes déjà. Oui, mais... J'ai la force que l'otage ne soit pas bien. Oui, mais maintenant c'est moi qui vous attends, vous avez compris? Alors, ben... Donc, maintenant, vous allez pouvoir rentrer dans le théâtre. Très bien, merci, merci. Les traînées de sang vont pouvoir vous guider dans ce théâtre, où il fait peut-être un petit peu noir quand même. Donc suivez bien toutes les traînées de sang, qui sont un petit peu éparpillées, donc ça va vous faire un chemin à suivre dans le théâtre. Vous... Merci. Donc je peux casser les blocs là. Vous pouvez rentrer dans le théâtre et vous suivez bien les traînées de sang. Je ne peux pas casser les blocs. Ah oui, effectivement, il y a des traînées de sang. Mais il y en a un peu de partout, je vais les suivre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont fait mal? À la princesse. Je ne vois plus la princesse depuis un certain temps. Oui, je vous écoute. Je suis positionné au-dessus des gradins. Très bien, monsieur Boba Fett. Vous avez les images de la vidéosurveillance. Je vais les images. Je vous suis de près ou pas, monsieur le maire? Non, personne ne rentre dans le théâtre. Vous suivez les images de la vidéosurveillance sur jeu de WAM Twitch. Il y a quand même beaucoup de sang, cette princesse. Oui, tout à fait. Et je trouve qu'il fait très sombre. Ça me fait peur. Quelques soucis, Camille, de souvent, probablement. Comment ça se fait qu'il fait sombre comme ça? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais comment ça se fait? C'est bizarre. Parce que normalement, quand il fait noir tout le temps. Là, il y a une lueur autour de moi. C'est quoi ces bruits? Ces bruits me font flipper. Mais monsieur le maire a du courage. Est-ce que vous êtes dans le renfort, monsieur le maire? Non, ça va. Pour le moment, ça va. Bon, ici, il n'y a pas de tache de sang. Je suis positionné au dernier étage. Vous avez besoin de quoi que ce soit, je fais ça. Très bien. Et moi, nous sommes prêts à intervenir au cas où. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, en fait, viens. Alors je suis... Vous ne voyez rien, vous ne voyez toujours rien de l'extérieur. Hein. J'ai la longue vue, j'ai un visuel sur vous. Très bien. C'est qui les bulles? Tiens, Baba. Je peux pas venir, je suis un... Mais attends. Et on attend là. Je suis pas invisible. Oui, mais... On te voit pas. Que te vois si on attend là-bas. Fais comme tu veux. Attendez, hein. Parce que je veux être sûr, je suis les traces de sang toujours. Hein. J'étais revenu en arrière pour être sûr qu'il n'y en avait pas d'autres. Depuis donc mon là... positionnement, je vois du sang sur la scène. Ok, à gauche. De votre positionnement, vous voyez du sang sur la scène. Très bien. Oui. Merci. Merci pour l'information. Toujours des traces de sang ici. Par contre, ça me fait descendre. Une fois de plus. Est-ce qu'il y en a encore? Non. Étant donné que le sang est sur la scène, c'est peut-être le dernier endroit à visiter. Très bien, alors je vais me rendre directement sur la scène. Le problème, c'est qu'ils ont bien fait le taf, je crois. Anto, est-ce que c'est vous sur la colline, là? Oui, c'est moi sur la colline. Ok. On ne voit rien, strictement rien. Je ressens une espèce de bizarrerie, des bruits assez maléfiques. Je vais essayer de trouver un superfuge. Ouais. Je constate des identités étranges. Suspectes, identité suspecte. Je vous ai dit quoi? C'est pour la flèche.
Je vous ai juste dit de suivre les traces de sang. Ne faites pas d'erreur. Ah, pas d'erreur, les gars, je reviens en arrière. Je reviens en arrière, je vais retrouver les traces de sang. Avez-vous besoin d'un coup de main de... D'accord, bon. Les gars, du corps. Attention, il me met la pression là. Il a vu que j'essayais de gruger un petit peu. À tous, opération commando. Je reprends les taches de sang. C'est normal que t'es pas invisible là devant moi. Oui, j'ai perdu mon effet. Monsieur le maire, j'ai trouvé la suite des traces. Ah. Très bien. Alors attendez. Il faut descendre l'escalier. C'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Il fallait bien les descendre parce que j'avais l'impression de revenir en arrière. Attention, à tous, opération commando. Je répète, Jean a des moustaches. Ça veut dire quoi? Je sais pas, c'était à la Seconde Guerre mondiale, il disait ça, donc je me suis dit c'est peut-être cool de le dire. C'est qui, Jean? Et c'était dans MGS4 aussi. Pour ceux qui ont la référence. Qui est Jean? Oh, attendez, je vois des bulles ici. Non, c'est moi. Je suis là, c'est moi. Très bien. C'est incarné en bulle. Alors attendez. Attendez. Déambulé. Je reste derrière vous en cas de problème. Est-ce que nous pouvons dire qu'il déambule? Attendez. J'ai pas fait ça. Attendez, il y a toujours des traces de sang. C'est bon, je les ai. Il y a beaucoup de portes. Vous essayez de les ouvrir. Attendez, parce que là, oh là là, c'est très rouge ici, c'est très noir. C'est les traces de sang que je voyais depuis là-haut. D'accord. Donc là, par contre, c'est très compliqué de voir les taches de sang ici. Hein. Là, il y en a une ici. La source du mal est ici. Attendez, il se passe quelque chose là. Je vois toujours les taches de sang là, c'est un peu complexe. De base, on m'a parlé d'un zoo, moi. Je retourne me positionner à l'étage. Ah, je vois un chien, je suis sur la scène. Je répète, opération commando, je suis sur la scène. C'est bon. Vous me voyez, ça y est ? Mais vous ne me voyez pas. C'est vous le chien ? Je parle au chien, c'est ça ? S'il vous plaît. Je vous demande juste de ne pas parler pour l'instant. Donc je vous vois, mais vous ne me voyez pas encore. S'il vous plaît, écoutez-moi maintenant. Je vais d'abord répandre dans cette salle un petit poison qui ne vous tuera pas, mais qui aura juste pour but de vous affaiblir. Largage du poison. Par ailleurs, je tiens aussi en otage une personne qui me semble être très cher à vos yeux. Une personne qui me semble être tout simplement très chère aux yeux du mort. Le tuer pour moi ne me ferait ni chaud ni froid. Cette personne, eh bien, c'est tout simplement Docteur Nintendo. Oh, je le vois. Pour une fois qu'il est innocent. Je pensais que... Oh my god, je vois une espèce de malfrat. Chut. Qu'est-ce que c'est que ça? Cible identifiée. Donc, ce que je vous demande, c'est tout simple. Vous allez devoir monter sur le balcon qui est juste au-dessus de vous. Est-ce que vous le voyez? Il y a un chemin qui se situe. Il y a des échelles qui se situent derrière le rideau. Donc, vous allez devoir monter sur ce balcon et crier « J'ai honte » avant de vous jeter du balcon, ce qui aura juste pour but de vous casser les jambes, mais ne vous tuera point. Si vous le faites, je relâcherai Docteur Nintendo. Et nous en aurons fini avec vous. Pour aujourd'hui, par contre. Donc rien ne sert de nous rechercher et d'essayer de nous combattre.
car nous avons la main sur la ville, sur le théâtre, sur le palais. Nous avons des caméras partout. Attention. Et un euro, aucun problème à tout faire péter. Donc faites le bon choix. Est-ce que je peux... Soit vous sautez du balcon en criant « j'ai honte », soit vous ne faites rien, et je suis docteur Nintendo. Vous avez une minute. Non, attendez, avant de lancer le chronomètre, s'il vous plaît, laissez-moi une chance de communiquer avec vous. Laissez-moi une chance. Ça ne sert à rien de communiquer. Dites-moi votre nom, au moins, votre nom. Je ne dirai pas mon nom. Votre... Juste notre organisation. Votre organisation. Comment elle s'appelle ? C'est tout ce que je pourrais dire. Quelle est votre organisation, monsieur ? Je dirais seulement Zola. Zola, très bien. Je peux vous... Vous avez maintenant une minute. Soit vous vous cassez les jambes, soit je tue le docteur Nintendo. Vite, l'échelle, vite. Il faut monsieur le maire, j'ai la cible en ligne de mire. Il faut sauver le docteur Nintendo. Il faut sauver le docteur Nintendo. Opération Commando, veuillez patienter. Monsieur Zola, pour vous, et rien que pour vous, j'en ai rien à foutre, tu peux le buter, Dr. Nintendo, qu'est-ce que je m'en fous? Je peux le remplacer demain par un autre. Mission Commando, attaquez. La cible est morte, monsieur. Merci, messieurs, vous avez été vaillants. Vite, où est monsieur Docteur Nintendo? Il a péri dans l'intervention. Messieurs, venez sur la scène, s'il vous plaît. Il s'est fait exécuter avant que vous donniez l'ordre. Oh, mais va falloir tout nettoyer, j'ai pas assez d'eau de Javel, moi, pour le sol, hein. J'ai pas assez d'eau de Javel. Oh, mais c'est qui m'a foutu ce bordel, hein? Attendez. Et fais gaffe, t'as même pas encore vu tout l'escalier. Je reconnais le goût là. C'est du ketchup. Messieurs, monsieur Docteur Nintendo est mort. Vive Docteur Nintendo. Une minute de silence pour lui, s'il vous plaît, messieurs. Laissez-moi faire. Je vais vous demander juste une minute de silence. À cet instant même. Pour le Docteur Nintendo qui s'est battu vaillamment. Et vous savez, messieurs, que le One World ne négocie jamais. Le One World ne négocie jamais avec les terroristes. Par contre, le Docteur Nintendo restera toujours dans nos cœurs pour le sacrifice qu'il a effectué. Docteur Nintendo, excusez-moi, je suis désolé, je suis ému. Je suis désolé, messieurs. Docteur Nintendo était un bon adjoint au maire. Il a fait beaucoup pour le One World. J'espère qu'il a ressuscité. Tombe de Docteur Nintendo. Monsieur le maire, je fais honneur à Monsieur Docteur Nintendo. Merci beaucoup. J'espère que vous n'avez pas altéré les leviers. Non, je n'ai pas touché. Je vous laisse mettre une fleur. Je vous remercie beaucoup. Messieurs, je vais vous demander de me suivre. Et nous allons au niveau du palais, à l'arrière, dans le jardin, pour rendre hommage au nouveau gouvernement qui s'est mis en place aujourd'hui. Suivez-moi, messieurs, s'il vous plaît. Nous allons dans le jardin du palais. Monsieur Docteur Nintendo nous a quittés aujourd'hui. J'en suis extrêmement triste. La deuxième fois, il part en bon ratio. Bonjour, monsieur Chef Puma, madame Chef Puma, vous étiez où ? Il s'est passé quoi ? Bah, j'étais aux toilettes. Et j'ai entendu qu'il y avait eu un bruit au théâtre, alors j'ai venu. Ah, d'accord, mais il s'est passé un truc. Il y a l'organisation Zola. Oh là là. Qui a tué Docteur Nintendo.
Oh, bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Elle est j'y ai pensé quelques secondes. Monsieur, madame, chef Puma, elle était violente, celle-là, quand même, je tiens à vous le dire. Non, mais après, c'est honnête, c'est sûr, c'est pas une très grande perte, vous voyez. Anto ferait un meilleur adjoint que lui, selon moi, ou alors Saver. Ça, je suis pas sûr pour Anto, mais pourquoi pas essayer. Attendez, je vérifie le dos de la Reine des Neiges, je veux vérifier qu'elle a le cul propre, hein, parce qu'elle est aux toilettes, je veux vérifier. Très bien. C'est marrant aussi. Donc je pense. Je me suis lavé les mains, vous inquiétez pas. Bon. Mais j'ai une information supplémentaire, monsieur, madame, chef Puma. Oui. Je pense que monsieur l'ennemi Zola reviendra sous les traits de caractère de monsieur docteur Nintendo. C'est ce que j'ai cru comprendre dans ces textes. Allez, monsieur, madame. Donc ça me fait peur. Il m'a dit je reviendrai sous l'apparence de docteur Nintendo. Ah bon? Oui, je trouve ça bizarre. C'est quoi ça? Je vais revenir sous l'apparence d'une manette? Sous l'apparence de notre ancien premier adjoint. Sous l'apparence d'un bouquin. Messieurs, rendez-vous au jardin, s'il vous plaît. Oui. Saver? Oui. Comment il est mort, Dr. Newton? Il s'est fait abattre avant que monsieur le maire me donne l'ordre de tirer. D'accord. J'aimerais parler de quelque chose. Je suis d'une tristesse. Mais d'une tristesse. Je suis extrêmement triste, messieurs, de la mort de monsieur Dr. Nintendo. Ça sent ça. Et vous avez rien fait pour le sauver, je sais pas. Ben, vous étiez nombreux quand même. Ben, on a tenté une opération commando qui a échoué. Ah mince. Mais nous avons eu. Sur la mort de Dr. Intel. Mais nous avons eu le terroriste. Bon bah ça va. Ça c'est déjà une grande première. Donc c'est un semi-échec, cette opération commando. Mais une semi-victoire. Ah, moi je dis que c'est une réussite totale. Le Dr. Nintendo est mort et le terroriste est mort. Alors. Non, il n'est pas mort. Non, c'est pas une réussite totale, il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Et nous pousse. Ah, oui, va falloir engager une femme de ménage alors. Mais non, mais sûr. Je suis énormément triste. Messieurs, je vais vous demander de venir à la table carrée, s'il vous plaît. Ah, table carrée. Autant pour moi, je suis désolé, on a déjà nos sièges. L'ennemi Z, nous l'appellerons l'ennemi Z, nous dit Makuna Matata. Monsieur, madame, chef Puma, où êtes-vous? Oui, merci. Merci, monsieur, madame, chef Puma. Monsieur, madame, chef Puma, honneur au monsieur, madame. Je vais vous demander de vous mettre au milieu de la carte du One World et nous dire un mot gentil sur Dr. Nintendo pour lui rendre hommage. Vous en demandez beaucoup là. Un hommage, le seul hommage que je pourrais lui faire, c'est que c'était un bourreau. C'est Bit. C'est un très bel hommage, monsieur chef Puma, monsieur madame chef Puma. Merci à vous. Monsieur Event, mettez-vous au milieu de la carte, s'il vous plaît. Avez-vous un discours d'hommage? On va éviter là. Pour Dr. Nintendo. Tout d'abord, je vous souhaite toutes mes condoléances à tout le monde. Merci. Le maire est attristé de cette perte. Malgré qu'il n'était pas aimé par tout le monde, ça se dit pas malgré que. Chut, toi! Malgré le fait qu'il ne soit pas aimé par tout le monde, oui. C'était un homme bon. Enfin, nous ne l'avons pas encore eu. Nous n'avons pas, vous avez compris, eu assez longtemps comme adjoint. Mais s'il aurait pu rester plus longtemps, s'il serait encore là, je pense qu'on aurait pu mieux le connaître et plus attristé que ça. Merci. Malgré que tu sois mauvais, c'est possible. J'ai
Merci, monsieur Event, pour ces mots très touchants. Monsieur Baptiste, voulez-vous dire un mot? Pourquoi pas. Pendant un temps, j'ai observé cette personne que j'ai pourtant connue très peu. Je lui ai parlé quoi, seulement deux ou trois fois. Mais j'ai vu une personne très courageuse et qui aime particulièrement les éclairs, et vous savez sûrement pourquoi. Mais étant donné que je ne le connais pas vraiment et pas beaucoup, je n'ai pas grand chose à dire, mais paix à son âme. Merci bien, monsieur Baptiste. Voilà. Des mots très touchants de la part d'un homme au sang-froid. C'est qui ça? Pardon, je voulais applaudir. Monsieur Saver. C'est un dieu oui, aussi. Très bien. Alors déjà, moi je pleure. Regardez, je pleure. Oh. Je pleure cette perte qui est... Quelle tristesse que je vois vos larmes couler sur la map du Wormworld. Regardez, je pleure de oh partout. Là je là. Suis triste. Cette personne m'a accepté comme j'étais. Elle a accepté également de faire de moi l'entité suprême que je suis devenu sous son mandat. Et maintenant, j'ai peur du futur et de ce que je vais devenir sans lui. Moi aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci, monsieur Saver. Vos larmes étaient tellement vraies qu'elles ne seront... Elles ont nourri la terre. Tout le monde pleure. Pour Dr. Nintendo. Venez pleurer. Monsieur Otto, j'ai commencé par l'adjoint du premier adjoint. Et je vais terminer par l'adjoint du premier adjoint. Monsieur Anto, allez-y. Très bien. Aujourd'hui, nous avons vécu un drame. La perte d'un être cher au Wormworld. Un être cher qui m'a accompagné, qui m'a aidé dans cette conception, dans cette ville. Tout à fait. Qui m'a aidé à connaître chacun de vous un peu mieux. Mais j'ai un grand espoir. Tel un homme tombé de son kart, je suis sûr qu'il ne traînait au loin qu'un lat qui tue qui viendra le repêcher oh là et là. Nous le ramener. Vous êtes sûr qu'il est mort? Chut. Bah, il s'est quand même fait abattre froidement. Hein. Est-ce que vous avez entendu? D'où vient cet éclair? Venez avec moi. Merci beaucoup, monsieur Anto, pour ces mots très touchants de la part d'un homme de foi et de bon sens. Et si on cherchait où était cet éclair, messieurs? Qui part au nord, qui part au sud, qui part devant le palais, s'il vous plaît? Je pars en direction de son ancienne maison. On est sur oreillette, messieurs. Nous gardons les oreillettes. Okay. Donc vous partez tous à l'arrière. Très bien. Bon, bah je vais à l'avant, alors. Venez, madame moi, chef si... Puma. Madame, monsieur chef Puma, venez avec moi, nous allons à l'avant. Madame, monsieur chef Puma aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons entendu un éclair. Avec Siver. Monsieur le maire? Oui. Est-ce que je pourrais me confesser à tout le monde? Oh là là, est-ce que vous entendez? J'ai identifié l'éclair. Oh là là. Il se rapproche de son ancienne maison. À son ancienne maison, très bien. La queue de scorpion. Son esprit? Oui. La queue de scorpion, très bien. Direction la queue de scorpion. Donc le nouveau. Nous sommes sur les lieux avec Anthony. Le nouveau métro, donc. Effectivement, c'est localisé ici. Oh là là. Rien à l'intérieur. Est-ce qu'il... Oh non, je veux pas qu'il soit réanimé. Bon. Est-ce que c'est une résurrection? Une résurrection. Attendez. Est-ce que c'est Shenron qui arrive? S'il aurait fait une résurrection, ça veut dire qu'il ne serait plus. Attendez, je suis devant la statue à la queue de scorpion. Il n'y a rien. C'est la queue! C'est la 1. Alors attendez, je rentre à l'intérieur, mais il n'y a rien. Nous n'avons pas de nouvel éclair. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Je ne le vois pas. Jésus! Si tu m'entends. Jésus. Quoi? Ouais. Il a été là. Où ça? Là-dedans. Où ça? Quel bâtiment? J'ai cru le voir dans le bâtiment en construction, j'ai l'impression de l'avoir. La maison de Nolan. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Un gros travail de construction.
J'ai une impression que ça venait de la maison, je crois. Okay. Enfin, en tout cas, j'ai vu un éclair vers ici. Bah, y'a rien du tout. Attendez, peut-être que ces blocs sont un signe, si nous mettons... Oui. Ils sont alignés. Si chacun se met sur un bloc, peut-être que ça va déclencher quelque chose. Ici, on peut descendre par ici. On peut descendre, mais il me semble que c'est la maison de Nolan ici. Oui, c'est la maison de Nolan. On n'a pas le choix. On a sûrement des informations par ici. Vous pensez qu'il y a des informations? Je suis coincé. Oscu. Monsieur le maire. Oui. En haut, c'est positionné très bizarrement. Bon, je pense que ça doit être fait exprès, mais là, on dirait vraiment que c'est relié à un bloc au milieu. Là, on dirait que c'est plus un rectangle. Là-bas. Je pense que si on se met chacun sur un bloc, il peut se passer quelque chose. Y a plein de chats qui sont apparus. Messieurs, tout ça, c'est un signe. Il s'est réincarné en chat. Il manque des gens. Il manque la population. Venez sur un bloc et faisons une incantation. Grâce à mes pouvoirs de nécromancie, je peux appeler les morts pour aller sur les derniers blocs manquants. Allez-y, monsieur Cyver, faisons une incantation pour une résurrection, peut-être. Attendez, il faut que je me rappelle la formule. Attendez. Donc, elle est sacrément bien cachée, cette formule. Pourquoi tu m'attends? Elle est là. Très bien. Très bien, oui. Il a rajouté des mannequins. Monsieur, madame, chef Puma, montez sur un bloc. Légèrement poussé. Oh, il y a un chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper du Skeletor qui est en train de nous... de poser problème? Pétax la gueule. Vous parlez de lui? Non, non, laisse-le lui. C'est un de mes sbires. C'est Donovan. Donovan le sbire. Par contre, la table n'est pas carrée, elle est rectangulaire, nous dit Makuna Matata. Bon, je ne pense pas que là, elle est que cela fasse quelque chose. Toutes les places sont prises, mais... Bah, faut peut-être dire une incantation, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Non, je propose qu'on dise tous bit à 3. Alors attention, messieurs. Qu'est-ce qu'il aimait qu'on... Messieurs, je peux faire une incantation en latin si vous voulez. Allez, non. Fais ton incantation en latin et à la fin on terminera par 3, 2, 1, bit. Allons-y. Alors, on va le faire finalement. Salue Regina, Mater Misericordia, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salue. Trois. Declamamus, exsulse filii evae. Ad te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos convuelte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis vilgo Maria. 1, 2, 3, bit. Bon, ça a bien marché. Franchement, ça a bien marché. Échec total, hein? Est-ce que c'est un échec total? Monsieur Docteur Nintendo, si vous nous entendez, envoyez-nous un signe des cieux. Un éclair. Si, Monsieur Docteur Nintendo, si vous nous entendez, envoyez-nous un signe. Bon bah là c'est clair, hein, je pense qu'il nous entend pas. Ça suffit maintenant ! Sors de là ! Je pense qu'en fait il est juste mort. Hein. On se mettre à l'idée qu'il reviendra plus jamais. Hein. Enculé ! Fais un truc ! Peut-être que ça devrait marcher. Voilà, c'est plus de... c'était derrière chez Minprod. Oh, c'est au palais, je crois que c'était au palais. Vous l'avez vu au palais? Moi, j'ai vu derrière chez Minprod, mais... Bon, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu au palais, les gars. Ouah, j'en ai fait de l'enterre infini. Ça
C'est quoi ça? Je suis bloqué dans quelqu'un, je vois que dalle. Je vois rien. C'est bizarre, c'est pas bordel. C'est quoi ce bordel? C'est pas vrai. C'est quoi ce bordel? Attendez, c'est tout bugué là. Qu'est-ce qui se passe? On a eu un effet d'aveuglement. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est Docteur Nintendo. C'est on aurait pas dû l'inscrire à l'incantation, je crois que je me suis trompé de page. Je ne vois plus rien, oh, les gars. Bravo. Je crois que je me suis trompé de page, donc dis-moi. J'ai un bon plan sur ta tête. T'as éternué en plein milieu aussi. Merde. Non, mais je me suis un peu trompé. Est-ce que ça va s'arrêter? Je peux effectuer un de mes sorts pour annuler mes effets et essayer de vous délivrer des vôtres. Délivré. Attendez, parce que ça me fait une espèce de gros zoom, en fait. Ok. Ça fait un gros j'ai réussi le mien. Monsieur Anto, avez-vous de la place sur vous? J'ai mal. Attendez, je vais en trouver. Je vois. Arrête. Qui me tape? Ah, c'est pas moi, vas-y. On me tape. Buvez ce breuvage pour annuler vos effets. Ah. Rendez-moi ce breuvage pour que je le fasse goûter à tout le monde. Ah, j'en veux bien, moi aussi. Monsieur Ventis. Event, pardon. Buvez-moi ça. Ventis. Ah, merci. Très bien, merci. Très bon ce breuvage. Je vais en confectionner un nouveau. Pour les autres. Je me fais attaquer. Monsieur le maire, en train de périr. Voilà. Priorité. Tenez, monsieur le maire. J'ai plus de cœur. Vous n'avez plus de place sur vous. Des bulles. Vous n'avez plus de place sur vous. Buvez ce breuvage. Et voilà. Oh, merci, messieurs. Quelle était... C'est quoi ce bordel? Ah non, ça recommence. Ça recommence. Ah, mais c'est horrible. Voilà, qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas eu cette fois-ci. Nous sommes satanisés, messieurs. Vois plus rien. Est-ce que... Des panneaux sont apparus. Je pourrais avoir du lait, si vous... Ah oui, c'est pas du lait, c'est une potion magique. Tu veux quoi, du grand diable? Tu veux quoi? Demi écrémé, parce que sinon... Tenez-moi si vous en... Étonnez. Attendez, messieurs, est-ce qu'il y a des panneaux qui sont apparus? Non, je pensais, mais non, ce sont nos anciens panneaux. D'accord. Monsieur Docteur Nintendo, si vous entendez... Et c'est forcément... Je pense que c'est un signe qu'il nous a donné. Je pense que c'est un signe entre l'éclair... Je pense qu'il a voulu dire qu'on était aveugle et qu'on n'a pas vu où il était. D'accord. Je pense aussi. Oh, attendez, il y a quelqu'un d'invisible ici. Non, c'était... Si, il y a quelqu'un ici. Les gars... Cette bubule, juste où je suis. Ah non, c'est un chat. C'est sûr. Non, c'est un chat avec un effet. C'est juste un chat. C'est une saloperie de chat. Monsieur le maire. Laissez-le en vie. Oui. Monsieur le maire. Qui c'est qui m'appelle? Qui l'a tué, le chat? Il y a des petites bubules ici et je peux pas aller sur le cheval. Il s'est transformé en cheval, vous voulez dire? C'est un carnambule. Est-ce que vous voulez que j'abatte ce cheval? Non. Il a été abattu avant que je l'abatte. Eh ben il est et sur ouais, le cheval. Est-ce que je peux te tuer? Non. Il était sur le cheval, vous pensez? Oh, il va se calmer là. Émile Zola. J'ai pensé à ça parce que pour là. Monsieur Docteur Nintendo, si vous nous entendez, laissez-nous un message. Un message sur un panneau. C'est fou, il me sourit là. Il fait un sourire, ce fou. Messieurs. Qui va des soirs dans des fois. Il faut trouver Docteur Nintendo. Docteur Nintendo, si tu nous entends, fais 6 éclairs à un endroit. Deux, ça suffira. Parce que ça fait du bruit. Attention, les démons vous attaquent. Ah, les démons de minuit. Ah, il est coincé. Bam, il est mort. Encore qui ça, regarde. Voilà. Messieurs, je vais vous demander, attention, de faire un appel chacun pour Docteur Nintendo. Mais qu'est-ce qu'il me dit que c'est Docteur Nintendo? Faut juste se dire qu'il est mort, je pense. Tu crois, chef Puma? Faut juste se dire qu'il est mort et que c'est fini, hein. On devrait faire le deuil. Bah oui. On devrait faire le deuil, vous avez raison. Je vais me mettre au sommet de l'île volante pour... Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un se faire ressusciter, toi? Je me suis dit qu'avec la magie, on pouvait tout faire. C'est la magie de Nintendo, c'est normal. Vous pensez qu'on peut trouver un message secret quelque part? J'aurais espéré un message sur un panneau.
On peut, on est-ce aurait que, pu. Est-ce que j'ai peut-être une idée, mais je ne suis pas sûr. Guy. Attendez. Mais pourquoi tu m'as tapé en culé? Et sur la tombe là où il est mort. Hein. Ah, la tombe dans le théâtre. C'est moi qui l'ai jeté tout à l'heure. Venez, nous allons voir sa tombe à côté du. J'ai peut-être une idée d'incantation, enfin d'incantation, je ne sais pas, mais. Il aimait bien. On avait la ferme était écrit. Le nom était écrit en allemand. Peut-être en faisant une phrase en allemand, ça passerait. Ah non, peut-être, Anthony. Peut-être. Alors écoutez. Non, rien de... Je parle pas allemand. Je parle pas allemand. Je ne vois rien d'inhabituel. Ah à la oui, ferme. Je sais. Pendant que il faisait son. On va aller voir déjà sa tombe. Ici J Docteur Nintendo, les restes de Docteur Nintendo. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Allons voir. On va voir ça tout de suite. On va faire tout péter. On sait jamais. En vrai, il doit être dépité parce qu'on comprend pas ses indices. Et il est pas assez clair. Peut-être ici. Ah non, c'est pas. Ici, j'ai les restes de Docteur Nintendo. Non. Et si on fait... S'il y a un éclair sur le... Le crâne. N'oublions pas peut-être qu'il est mort déjà une fois. La preuve en est ici. On tous, là. Monsieur le maire, qu'il a déjà été ressuscité, donc ça se trouve. Monsieur le maire, j'ai peut-être une information. Oui, j'aimerais que vous confirmiez ceci. Je vous écoute, Saver. Vous êtes où? Venez au théâtre, j'ai découvert une salle que je ne connaissais pas. Ah. Est-ce que c'est seulement. Est-ce que c'est seulement. Que je ne l'avais jamais vu ou alors c'est quelque chose d'inhabituel? Je connais bien le théâtre, je suis directeur. Je vais te dire ça tout de suite. Oui, très bien. Alors, allons voir au théâtre. Peut-être qu'on aura un indice là-bas. Alors, où ça? On va attendre le maire pour confirmer. Makuda Matata, il a dit Nintendo. Mais derrière la tombe, je suis allé voir la tombe que je lui ai faite tout à l'heure. Une entrée inhabituelle est apparue. Ah, mais c'est pour aller à Jean-Michel Régis, mais il faut passer par là. Vous pensez? Ah oui, tout à fait. Oh là. Let's go. Alors normalement elle est juste là la porte pour aller à la régie. Elle est bloquée ici, là. Ouais, mais parce que voilà, c'était bloqué. Donc voilà. Et là c'est bloqué. Mais normalement la porte elle est là. Ah, très bien. D'accord. Ça faisait très très prison. Voilà, c'est bon. Mais très bien. Parce que, Mais c'est vrai ici quand même. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui l'ai allumé. Nous avons un signe à l'écran, messieurs. Pourquoi? Je vais être roquemort. Il y avait écrit pourquoi. Où? Ah, on ne le voit pas, nous. Mais ah, ouais. Vous ne le voyez pas, mais moi, je l'ai eu sur l'écran. Il y a eu un message paranormal avec un brouillage et une inscription en dessous qui était pourquoi. D'ailleurs, moi, je te propose, on reste à l'extérieur au cas où. C'est un petit éclair et tout. On n'a pas été mort. Je vais mener ma propre enquête. Depuis Lille, je n'ai rien constaté à la ferme. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Docteur Nintendo, ouais. Moi, j'ai envie de retourner. Lévitation. Après, il doit bien s'amuser avec ses blocs. Même Kojima, il est pas aussi fourbe. Et pourtant, il est fourbe. Qui? Kojima. Docteur Nintendo, si tu nous entends, nous sommes désolés. Je dois dire que c'est un peu aussi de votre faute, hein, s'il est mort. Hein. Vous n'avez pas réussi à le sauver. Hein. Mais Puma, je suis sûr que si j'avais été là, moi, ce serait passé tranquille. Hein. J'ai oublié d'aller faire votre bronze, vous aurez fait ça. Excusez-moi, mais il y a des envies pressantes de voir. Anto, je pense que tu es bien placé pour le voilà. J'ai tout fait pour essayer de le sauver, sachez-le, mes chers compatriotes. Chef Puma, je sais que toi, tu es le rival, on va dire, de Peter Nintendo. Oui. Tu dois savoir beaucoup de choses chez lui, non? Oui. Et du coup, tu peux savoir qu'est-ce qu'il adorait que nous ne savons pas? Bah, je sais pas. Vous êtes où, messieurs? Quand vous jouez à de nombreux jeux, il ne faisait pas des références à le Samsung? Non, pas spécialement. Est-ce que vous avez un nouvel indice, quelque chose? Parce que là, je suis perdu.
Bon, moi j'ai une méthode radicale, hein, mais parler, ça va pas sinon être bute. J'ai un arbre devant moi. Un arbre devant vous. Moi je reste au niveau des restes de Nintendo et rien n'a changé. Non, ça n'a aucun sens que je dis. Pourquoi il en... Il a envoyé un message avec écrit pourquoi. On n'a pas été voir sur l'île aussi. Mais même si est-ce que. J'ai une question. Pourquoi nous sommes sûrs que c'est lui alors que ça peut être toute. Enfin, ça peut être l'association Zola, on va dire, l'association. Qui... Ils sont pas qui morts. Mais si, ils sont morts. Oui, non, mais. Selon moi, quand j'ai tiré ma balle, ça n'a pas fait le bruit d'une balle dans un corps, mais plutôt dans une forme mécanique. Selon moi, c'était juste un androïde. C'était un androïde ressemblant à Docteur Nintendo. C'est ça ? Non, pas Docteur Nintendo, mais le... Mais Docteur Nintendo, il est mort, de toute façon. L'entité Zola. L'entité Zola, mais très si bien. Si j'ai bien compris, en gros, c'était un terroriste. Alors attendez, je vais vous demander... Appartenant à une organisation secrète qui a pris en otage Docteur Nintendo et qui l'a tué. D'accord. Pourquoi tu es obstiné à dire qu'il est mort ? Je l'ai parce que moi, je suis très rationnel. Et que quand je vois quelqu'un de mort, bah pour moi il est mort. Après d'un côté, ça se trouve, toi tu n'as pas vu le cadavre. J'ai jamais vu quelqu'un ressusciter de mes propres yeux. Hein. Ben si. Oui mais. À cet endroit attends, même. Déjà, je les ai pas vus de mes propres yeux. Oui, ici, je vois un squelette, mais. Où il peut faire des éclairs. À cet endroit même, Monsieur Docteur Nintendo a ressuscité. Moi je cherche l'endroit où il y avait le, enfin, le chef. Aucune différence. Monsieur Docteur Nintendo. C'est Anto le terroriste. Anto ? Mmh. Le terroriste. Non. Bon, bah, c'est bon. Lui. Nous sommes dans l'impasse, messieurs. Je retourne au Est-ce palais. Est-ce qu'il fallait boire une petite bière ? Ça se trouve, chez lui, il a mis un coffre et il y a des choses dedans. Donnez-nous un indice. Donnez-nous un indice, monsieur Docteur Nintendo. Ganondorf. Ou alors un chib. Est-ce que si à proximité avec l'Allemagne, si je fais Arton va faire granate, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a quelque chose? Une explosion, un éclair, ça explose. Monsieur Docteur Nintendo vient de me donner un indice. C'était un brouillage. Ah, ça veut toujours rien dire. Eh oui. Brouillage. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec Docteur Nintendo là. C'est peut-être de faire passer un message. Hein. Écoutez, messieurs. Putain, ça va exploser. Nous avons fait une invocation avec le mot. L'évitation, on l'évite. Ah, oh, pas moi. Et on retombe. Ah. Peut-être que nous devrions aller visiter. Je vois la mort. Hein, je vois la faucheuse derrière toi, Saver. Elle ressemble à quoi la mort? J'y vois dans le queue. Elle a des ailes noires. C'est la mort queue. Comme on avait vu pendant le bagarre. Attendez, j'utilise mon breuvage. Donne le breuvage, s'il te plaît, Cyber. Et vous êtes voyez... Où ça Vite, on va aller voir ça. C'est chez lui, là on avait fait l'invocation. Tiens. Construction à Nolan. Je ne vois pas cette entité. Je l'avais vu. Je vois quand même très peu de morts, quoi. Je l'ai vu, j'ai vu. Il avait... Attends, t'as fumé, Evan. Non, non, écoute, non. Là-bas, derrière vous. Non. Donnez-moi du lait, bordel. Black ça y est. Écoutez-moi. C'est tout noir maintenant, bordel. Oh mon Dieu, c'est horrible. Monsieur le maire, vous vous rappelez de l'entité qui était là pendant qu'on faisait oui, bagarre dans la j'ai l'entité en ligne de mire. Pendant le Battle Royale, je me souviens. C'est elle, je l'ai vu, j'ai oublié, je l'ai su mort. L'entité... Qu'est-ce qui se passe, bordel, mec? Je vois rien, là. Mais pourquoi est-ce que mes cœurs, ils sont noirs? Oh. L'entité ne prend pas les balles. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce délire là? Mes potions ne font plus aucun effet sur ce maléfice. Monsieur le maire est mort. Fils de pute, je vais te dire. Et du coup, je dis, franchement, je vois tantôt pour le prochain. Je pense qu'on va tous mourir. Vouloir tout me déléguer. Hein. Moi, en vrai, je vote pas pour Puma, pas pour Docteur. Non, pas Docteur. Je le vois, il est devant moi. Vous le voyez, il est où? Cyber et moi. Il m'a rendu immobile. Je vois encore, je vois Shakuma, mais je sais pas où je suis en fait. Je vois rien. Je vois la mort. Attendez.
Non, je vous propose... viens te battre. Les gars, je vous propose que ce soit monsieur le maire qui va... Donnez-moi du lait. Et nous, on regarde sur une caméra. Ah. Oh, je suis encore malade. Ouais, très malin. Et je veux du lait. Je suis encore malade. Et à chaque fois que je regarde la mort dans les yeux, je perds la vue ainsi que le pouvoir de me déplacer. Moi aussi. Elle le regarde pas. Et je la vois. Je peux pas lui tirer ma balle de sniper dans ce cas-là. Je peux rien faire, les gars. Et juste, vous qui parlez de résurrection, ça peut être possible que ce soit Docteur Nintendo. Hein. La mort. Oui. Bah non, parce qu'il il est pas mort. Il s'est réincarné en mort. C'est, la mort, c'est tellement. Il s'est réincarné en mort. La mort, c'est peut-être Docteur Nintendo, les gars. Hein. Pendant qu'on faisait la bagarre dans l'arène, il avait cette tenue. Oui, mais c'était un costume. Là, oui, semblait je pense que c'est un costume. Là. Oui, mais comment il aurait pu trouver ce costume? Bah, tu vas à Jiffy et t'achètes. Oui, mais la mort vous attend, là. Il est allé sur déguise-toi.com et il a acheté cette tenue. Écoutez, comment je fais pour me soigner de cette maladie des yeux, là? C'est vrai que moi aussi j'en peux plus. Une nouvelle potion. Ça commence à devenir soudain. Je n'ai plus de place sur vous. Ah, je veux bien aussi du lait. C'est pas du lait, c'est une potion magique. Ah, je veux bien une potion magique. Je veux bien une potion magique, mais là il faut que la mort elle arrête de faire ça parce que ça devient saoulant. Et... Oui, oui, monsieur le maire, vous n'avez plus de place sur vous. Vous pouvez pas récupérer cette potion. Ah, moi j'ai de la place, mais j'en ai pas. C'est un MMORPG, on ne pouvait pas récupérer les potions si vous avez trop de choses dans votre inventaire. Je vous remercie, monsieur Siver. Je vous propose une dernière invocation pour la fin de ce live. Bismillah, bismillah. Je vais vous demander, s'il vous plaît, messieurs, de revenir sur les blocs. Nous allons demander une dernière apparition de la mort. Je suis perdu. Ouais. Le son de tes morts. Le son de tes morts, le gajo. La mort. Monsieur le maire, je vous propose une dernière chose. Oui, allez-y. Si cette invocation fonctionne et que la mort réapparaît, je voudrais faire Non, je suis tombé. S'il vous plaît. Et déterminer la suite de notre histoire. S'il vous plaît, je vais vous demander, messieurs, lorsque... Il est sorti comme une taupe. Moi, j'aimerais bien... Je vais vous demander, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs. Je vais vous demander... de respecter la parole des uns et des autres. Quand quelqu'un parle, il faut le laisser parler jusqu'au bout et ne pas lui couper la parole, sinon on ne comprend pas. Monsieur Siver avait quelque chose à proposer, nous l'écoutons. Mais si la mort réapparaît, je souhaiterais faire un face-à-face avec elle, pour décider de la suite. Un face-à-face en tous les coups sont permis dans l'arène, c'est ça ? Exactement. La mort de Docteur Nintendo. Si vous nous entendez, veuillez vous présenter au centre de cette stèle. Je dis bien la mort de Docteur Nintendo. Il doit manquer les... de la dernière fois. Je dis bien la mort de Docteur Nintendo apparaît sur cette stèle et affronte Siver pour un combat en bonne sport, tous les coups sont permis. Ne bougez plus, monsieur Event. Comment vous voulez que l'invocation fonctionne si vous sautez de partout et que vous envoyez des flèches sur vos coéquipiers? Je vous ai vu. Non, c'est pas moi. C'est si je vous ai vu, monsieur Event, vous serez jugé pour ça. Allez, tiens. Pour amplifier ma peine, je rajoute quelque chose. Alors, est-ce que la mort arrive? Je pense que la mort de Docteur Nintendo va arriver. J'espère que nous pourrons communiquer avec elle. Oh, attendez. Je me permets. C'est moi qui viens de mettre. D'accord, très bien. Ça marche mieux les incantations quand il y a du feu. Je sens un changement dans l'air. Vous sentez un changement dans l'air? Je pense. Oui, c'est de la chaleur. On a fumé. Hein. Ah oui, je pense que tu peux sacrifier nos affaires. Je suis un peu con, mais. Moi je sacrifie. Nous attendons. Mes flèches. Je pense que la mort de Docteur Nintendo va arriver ici. Je le sens. Aussi, quand même. Ah. Le feu s'est matérialisé. Faites-lui,
Faites-lui une stèle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la redstone qui vole. Il va à terre comme Superman. Shit. Il a tout niqué. Il a tout niqué. Remontez. Je voulais lui mettre une stèle, mais... Remontez, flamme. On a du feu qui bouge. Il a tout niqué. Est-ce qu'elle arrive? Collet, vite. Remontez. On a un signe, là. On a un signe. Oh, du sang. Ne bougez pas, ne bougez pas. Il veut se battre. Ne bougez pas, monsieur, ne bougez pas. Il se passe quelque chose, ne bougez pas. Bagarre. Des traces de sang en direction de Saver. Ne bougez pas, messieurs, surtout ne bougez pas. Que se passe-t-il? Est-ce que ces traces de sang... Ça pique les yeux, c'est du feu. Est-ce que ces traces de sang... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh ah. Il est mort. Il est mort une deuxième fois, écoutez. Mais écoutez, monsieur le maire, si votre avion est aussi stupide, si il est aussi con, pourquoi le maître? Qui l'a voté? Qui sont les pauvres? Il est mort. Vous, apparemment. Alors, j'ai pas voté. J'ai voté Mélenchon. Je crois qu'il s'est suicidé devant nous, là. Bon, bah c'est bon. Il aurait ressuscité, puis mouru. Encore une fois. La mort de Dr. Nintendo. Nous faisons un dernier appel. La mort de Dr. Nintendo. Viens discuter avec nous, s'il te plaît. Avec la skin de la mort. Je parle à la skin de la mort de Dr. Nintendo. Viens discuter avec nous. Est-ce qu'elle va arriver? Attendez. En tout cas, il y a eu un message. Des traces de sang en direction de Saver. Nous avons vu la silhouette de Dr. Nintendo. Attendez, il se passe quelque chose. Messieurs. Oh! Mais que se passe-t-il? Bonjour. Oh non! Monsieur. Oh là. Docteur Nintendo? Vous êtes bien Docteur Nintendo? Oui, bonsoir. Venez. Dishibo! Je sens que quelque chose a changé dans son comportement. Attends, quelque chose a changé. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Il n'a pas l'air comme d'habitude. Monsieur Docteur Nintendo, puisque beaucoup trop de monde parle en même temps, je vais vous prendre en privé. Alors. Il va lui chuter dans l'oreille. C'est facile, je vais demander à tout le monde d'arrêter de parler le temps de discuter avec Monsieur Dr. Nintendo, sinon nous passons en privé. Monsieur Dr. Nintendo, est-ce que vous allez bien? Je l'entends très mal. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Dr. Nintendo. Est-ce bien vous, monsieur Dr. Nintendo? Bien sûr, je viens de sortir de l'hôpital. Je m'étais pris une balle après votre lamentable intervention. Je me fais enlever dans le One World. Il n'est pas mort! Je me suis pris une putain de balle. J'ai dû partir de l'hôpital. Je sais même pas où j'étais pendant 3 ans. 3 ans! Et je suis de revenir là. Ça m'a paru en tout cas. Bah bon, apparemment j'étais juste dans le coma, c'est tout. Dans le coma. Et vous êtes ressorti du coma avec un bout de ferraille dans le front, dans le c'est cul, ça? Littéralement, mais. Bien entendu. Vous allez bien. Vous vous souvenez de nous? Est-ce que vous pouvez nommer tous les gens autour de vous? Alors déjà, il y a une pute. Il y a Evan, Anto, vous, monsieur le maire, mais respect. Baptiste. Je pense que c'est lui d'ailleurs qui m'en a tiré une. C'est quoi le nom de la pute comme vous? Attendez quoi? Monsieur qui a tiré cette balle? Monsieur Docteur Nintendo. Je suis le seul à avoir tiré une balle. J'ai pas tiré de balle. Monsieur Docteur Nintendo, alors, je voulais vous dire d'abord que je vous ai pleuré. Bonsoir. Alors, vous m'avez pleuré, mais à ce que je sache, avant que je me fasse emmener, vous avez dit « Je m'en fous de lui, je peux le remplacer. » Non, moi j'ai pas entendu ça.
Bon, moi, j'ai dit... entendu avant de tomber dans le coma, voyez-vous. Très bien. Alors. Je vous ai pleuré. Je vous ai pleuré, monsieur docteur Nintendo. Est-ce que vous en rendez compte? Je m'en rends compte bien, oui. Et nous, on a fait genre qu'on pleurait, alors. on a fait l'effort de venir. Monsieur docteur Nintendo. Monsieur docteur Nintendo, nous avons monté... nous avons monté une opération commando pour essayer de vous sauver. Est-ce que ça vous êtes fier de ça? Oui, mais bon, vous auriez pu éviter de me tirer dessus parce que je n'étais pas en danger. Mais enfin, c'est... Je n'étais pas en danger tant que vous criiez honte, monsieur le maire. Mais c'est l'entité Zola que nous avons visée et nous l'avons eue. L'opération a réussi. En attendant, je m'en suis pris dans le cul, monsieur. C'est l'entité Zola qui vous a tiré dessus. Dans le cul. L'Ouam World ne négocie pas avec les terroristes, monsieur Dr Nintendo. Ne l'oubliez jamais. Nous vous avons pleuré, nous étions tristes de votre départ, mais nous nous réjouissons de votre retour avec un trait, avec une joie exceptionnelle. Joie, si on peut dire ça, oui, mais bon. Oui, mais bon, c'est un retour assez mitigé. J'entends des roues. Vous entendez des roues. Le chef Puma a quand même l'air très ému. Je vois qu'elle pleure. Bah là, je suis ému de le revoir, du coup, parce que je voulais pas. J'imagine plus que ce sont des larmes de tristesse de me voir. Ouais, voilà. Docteur Nintendo ? Oui. Je peux faire un test pour voir si c'est bien toi? Oui. Quel est... Bah, dis chibre. Chibre? Bit, plutôt. Ouais, voilà, voilà. Ok, c'est le bon. C'est le vrai. Disons-le. Ouais, c'est le vrai. Il a dit bit, on dit pas chibre. Il est bon. Pour moi, c'est le vrai. Pas le vrai, mais c'est moi. Tu as encore ce pouvoir des éclairs? Vas-y, je fais un petit éclair pour moi. Ok, c'est vrai. Bon, celui-là n'était pas... Monsieur Tunizan. On va dire. Monsieur Tunizan est arrivé. Oui, c'est moi. Voilà, c'est lui. Monsieur Tunizan, bonsoir. Une fois de plus, vous savez que les lives du vendredi soir, c'est entre 21h30, 22h, jusqu'à minuit. Vous arrivez à la fin, une fois de plus. On m'a un peu occupé. Ah, mais... Ah, ben là, vous m'avez tapé, c'est pas très respectueux. J'ai fait exprès. Très bien. Allez. Monsieur Tunizan, il faudra venir plus tôt la prochaine fois, puisque nous venons de terminer un arc scénaristique très important ce soir. Avec le retour et la résurrection, plutôt la guérison de monsieur Dr Nintendo. Mais l'ennemi, messieurs, l'ennemi est toujours présent. L'ennemi nommé l'entité Zola. Sachez que le Wormworld continuera l'opération Commando Wormworld pour détruire cette entité à tout jamais. Je vous remercie à tous. Merci Cyver. Merci Dr Nintendo. Merci Event. Merci Anto. Merci Tunizan. Merci Boba Fett. Merci Chef Puma. Merci à vous d'avoir été présents ce soir pour cette aventure exceptionnelle. Nous avons un ennemi aujourd'hui, un ennemi commun que nous détruirons, je vous le promets. Nous sommes en guerre. Il a une demande de rançon, je sais ce qu'on peut lui offrir. Un micro de qualité, parce que là... Des bourses comme ça, ça va pas le faire. Monsieur le maire, pourrions-nous faire un battle royal? Monsieur, c'est la fin du live. Le wifi va couper dans quelques minutes. Je préfère stopper sur un moment décidé que sur un moment non choisi. Un grand merci à vous. J'ai beaucoup apprécié ce moment ce soir avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un retour sur le Wormworld en attaquant
je l'espère, l'entité Zola. Merci à vous, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure, dans la voiture, et à jamais dans le tramway. Thank you.